Bonjour, je suis Valérie Moutinard, je suis médiatrice sociale au PIMS de Bordeaux et mon rôle sur le projet du triporteur connecté, c'est la mise en pratique sur le terrain au sein des quartiers sur Bordeaux Sud ou Bastide-Benoge. Thibaut Tatin, je suis médiateur social pour Bordeaux Métropole Médiation et également je suis dans la mise en œuvre du projet sur le territoire. Alors, l'inclusion numérique, pour moi, c'est permettre à toutes les personnes, telles qu'elles soient, en fait, d'avoir les compétences numériques nécessaires qui va permettre de lever tous leurs freins sociaux ou économiques dans la vie. Voilà. C'est assurer une égalité d'accès aux plateformes et aux outils numériques. Le PIMS de Bordeaux facilite l'accès aux droits des usagers par de la médiation sociale et numérique. Donc c'est sur site, donc au cours de la Marne et du coup hors les murs avec le triporteur connecté, par exemple comme ici. Bordeaux Métropole Médiation assure une présence de terrain de médiation sociale sur les quartiers prioritaires de la ville. On fait de la gestion de conflits de voisinage et on fait aussi de la médiation dans les squats. Le triporteur numérique, c'est une microstructure mobile et connectée répondant aux problèmes de l'électronisme en se déplaçant sur les lieux fréquentés par les publics concernés. Tout d'abord, au niveau des partenaires, le projet, c'est un projet qui a mutualisé les compétences de Bordeaux Métropole Médiation et du PIMS. Et après, surtout, qui a été soutenu notamment par la mairie de Bordeaux, le conseil départemental, le CGET, Bordeaux Mécène Solidaire et EDF, qui ont permis qu'on ait un véhicule en fait connecté et qu'on puisse mettre en pratique cette action qui est très chouette. Le partenariat, de toute façon, c'est le cœur du travail de médiation sociale. Et en fait, avec ce triporteur numérique, ce qu'on essaye de faire, c'est d'inverser un peu le fonctionnement de l'assistance et de l'accompagnement. Là, c'est au lieu d'avoir les personnes qui doivent aller dans les structures, c'est les structures qui vont vers eux avec ce triporteur, par le biais de ce triporteur. La crise a complètement révélé en fait que la fracture numérique était présente et voire même l'a accentuée puisque les gens se sont retrouvés enfermés sans structure comme le PIMS en soutien. Et notamment nous, on n'était pas du tout en télétravail parce qu'en raison des réglementations, on ne pouvait pas du tout accéder et aider les gens à distance. Donc on a encore plus créé un fossé en fait. Enfin, c'est pas le PIMS qui a créé le fossé, mais la crise a créé encore plus un fossé pour certaines personnes qui étaient encore plus loin du numérique, avec toutes les bornes Wi-Fi qui étaient forcément à l'arrêt et le manque de matériel. Et donc ça a encore plus révélé les difficultés numériques des personnes au quotidien, pour moi. Et du coup, on a dû réinventer un peu notre mode opératoire et voir comment on pouvait répondre à ces nouveaux défis. Et ça nous a permis, en fait, avec d'autres structures, de mettre en place un projet de web application, t'inquiète, pour pouvoir répondre, malgré le fait qu'on ne puisse pas être présent sur le territoire, à ces questions-là. Et merci d'ouvrir toutes ces réflexions autour de l'inclusion numérique. Pareil, merci. Et secondo, bonne chance, parce que le challenge est énorme. On a beaucoup à faire et le challenge vraiment est très compliqué en tout cas. C'est à qui, vous? À moi, Éléonore? Ah, d'accord. Je pensais qu'il y avait un propos introductif. Ben, bonjour à tous. Sans autre procédé, je vais quand même me présenter. Je suis Éléonore Becca. Je suis directrice du groupement d'intérêt public Bordeaux Métropole Médiation. Donc, on est une structure qui fait de la médiation sociale, comme l'a dit Thibaut dans le petit film. Sur le territoire de la ville de Bordeaux, sur le territoire de la ville de Bègle, sur la métropole pour en ce qui concerne les bidonvilles et les squats. Et on fait aussi de la médiation de voisinage sur la ville aussi de Bordeaux et puis quelques autres villes. Donc notre objet, c'est la médiation sociale et notre objet, c'est aller vers. Donc notre originalité au GIP Bordeaux Métropole Médiation, c'est qu'on est dehors principalement tout le temps. On va vers les gens, vers les sites. Et on propose de l'accès aux droits, de l'accompagnement des démarches
administrative ou autre, avec les habitants dans un objectif d'autonomisation. Donc, c'est aller vers et faire avec les habitants. On essaie de ne pas faire à leur place, on essaie toujours de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent s'autonomiser dans leurs démarches. Donc, c'est des démarches, on va vers tous les publics, on est dans les quartiers, donc on va rencontrer des jeunes, on va rencontrer des personnes âgées. Forcément, les demandes ne sont pas du tout les mêmes et on s'adapte à cette demande. Ça peut être des demandes très, très simples, comme où est-ce que je fais ma carte de bus, à des demandes bien plus complexes, comme bah, je vis dans ma voiture depuis 3 mois, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de sortir un petit peu de cette situation. Voilà, donc c'est très large et nous, on n'est pas dans l'accompagnement, on oriente vers les services sociaux ou autres, les services numériques, pourquoi pas. Donc, on peut peut-être lancer la présentation du reporter numérique. Mon partenaire, c'est parti. Ah oui, alors donc moi je le vois en petit parce que je suis à côté. Donc je vais me mettre en plus grand, excusez-moi. Voilà. Donc le GIP, ça y est, je l'ai présenté. Voilà, là vous voyez un peu notre présentation. Donc quand on dit on est dans la rue, donc on va vers les gens pour l'accès aux droits, mais aussi la tranquillité publique, c'est-à-dire qu'on gère un peu les différents usages de l'espace public. Plusieurs groupes peuvent être dans le même espace pour des raisons différentes. Donc nous, on est là un petit peu pour faire en sorte que tout le monde s'entende sur un lieu. Je parle de groupes de jeunes, par exemple, qui aiment bien être dehors pour se rassembler. C'est un peu le propre de la jeunesse. Puis d'autres habitants qui aimeraient être un peu plus tranquilles, par exemple, en pied d'immeuble. Bon, ben voilà, nous, on est là un petit peu pour faire en sorte que les choses se passent au mieux dans les différents groupes, les différentes générations, par exemple. Et puis le reste, je l'ai déjà dit. Donc, on va avancer. Alors, l'originalité de notre projet triporteur numérique, c'est qu'on l'a monté avec le PIMS. Donc, le PIMS, il a été présenté par Valérie dans le petit film. Donc, c'est une association qui, elle, pour le coup, est Cours de la Marne au 213 qui accueille les personnes. Donc, c'est un guichet, c'est de la médiation postée, comme on dit. Toujours un peu dans le même objectif, quand même, de rendre service aux personnes tout en leur montrant. Leur montrant et leur faire acquérir des compétences autour de l'accès aux droits. Et donc, le PIMS travaille particulièrement sur les services publics marchands, donc les médiations autour des conflits qu'on peut avoir ou des incompréhensions sur ces factures d'eau, d'électricité, sur même la téléphonie, mais aussi, c'est aussi un peu d'accès aux droits type CAF aussi, pas mal. Donc voilà, donc ça c'est l'asso PIMS et nous on fait aussi de la médiation, comme vous l'avez compris, et on se connaît bien puisque notre siège du GIP est au-dessus du PIMS. C'est une raison aussi pour laquelle on se croise beaucoup. Et donc on a, comme tout le monde, il y a bien déjà longtemps été percuté par cette problématique du numérique et de la généralisation de l'accès au numérique pour l'accès aux droits. Et donc, on s'est mis à réfléchir. À l'époque, c'était avec Nadia Laziz, la directrice du PIMS, qui est partie depuis, qui est remplacée par Olivier Dourte, qui ne peut pas être là aujourd'hui. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, on a eu cette image, cette idée du triporteur. Alors, il y a un petit film parce que le triporteur a attiré un peu les médias. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un peu à la mode les triporteurs. Enfin, c'est à la mode. Ça l'est un peu moins maintenant, mais il y a deux ans, on mettait un peu des triporteurs partout. On voyait des triporteurs pour vendre des glaces, pour acheter des jus d'orange. On en a vu un peu partout pulluler. Et c'est vrai que c'est un objet, en fait, qui est, je pense, assez agréable pour les habitants de croiser un triporteur. C'est agréable parce que, et ça, comment dire, ça symbolise un peu. Ben, une façon plus douce de déplacer dans la ville, de pouvoir. C'est un peu novateur, triporteur électrique en l'occurrence. Et donc, nous, comment on se demandait quoi faire pour inviter les habitants des quartiers avec qui on travaille à se préoccuper de comment devenir un peu meilleur sur le numérique, comment s'y mettre un peu, comment se mettre à tout ça, on s'est dit qu'il faudrait faire quelque chose, un événement. Qui symbolise ça, un événement qui puisse rendre curieux et qui puisse donner envie de se questionner sur le numérique. Donc, on a créé ce triporteur qui n'a rien à voir avec Internet, on est d'accord, c'est un vélo électrique,
Un vélo électrique, ça ne fait pas de l'Internet hein, en général, mais ça crée, en tout cas dans l'inconscient, c'est une image de quelque chose de novateur. Donc on l'a floqué avec plein de petits logos, vous allez voir, qui symbolisent un peu Internet. Et à l'intérieur du triporteur, on trouve des éléments qui vont nous permettre de communiquer autour du numérique. Donc je vais vous laisser lancer le petit reportage France 2 et après je vous dirai tout ce qui est faux dans ce reportage, puisque il y a plein de choses qui ne sont pas vraies, puisque ça a été un petit peu résumé, on va dire. Et après je pourrai répondre aussi à vos questions. Nous, dans votre 13h, on s'arrête sur les Français et Internet, cet outil qui a révolutionné nos vies et que l'on nous pousse de plus en plus à utiliser pour nos démarches administratives. Cela pose quelques problèmes et nous en parlerons avec Valérie Hertel. D'abord, ce coup de projecteur sur les maisons France Service. Le gouvernement en a promis une par canton d'ici à 2022. 460 sont labellisées depuis le 1er janvier. Comment aide-t-elle très concrètement les habitants en zone rurale et aussi dans certains quartiers prioritaires? Réponse à Bordeaux et près de Chalon-sur-Saône avec Isabelle Bechler et José Boulestex. La ruralité n'a pas le monopole de la fracture numérique. À Bordeaux, en pleine ville, initiative d'une association, ce triporteur du numérique va jusqu'au pied des barres apporter de l'aide. Exemple du quartier de la Benauge, où les problèmes sociaux ont tendance à s'accumuler. À côté de leur triporteur convivial, les médiateurs évaluent les besoins des habitants en matière de numérique. Alors, est-ce que vous accédez ou pas à Internet? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. Aujourd'hui, votre démarche administrative, vous les faites comment? Papier? Papier, ouais. Voilà, je me fais aider. Munis de tablettes connectées, les animateurs sont en mesure de refaire une carte d'identité ou une déclaration à Pôle emploi sur le champ, car beaucoup dans le quartier n'ont pas d'ordinateur. Ou alors, Monsieur Macron nous équipe, hein? Il va nous équiper, il va faire comme pour les étudiants, et puis on paiera un petit tarif pour les retraités. Alors que l'administration veut dématérialiser toutes les démarches en 2022, les Français sont encore entre 15 et 20% à souffrir d'électronisme, l'illettrisme digital. Voilà. Alors, donc, non, le PIMS ne fait pas des cartes grises et en direct devant le petit Auchan de la Benoge, ni, voilà, on se substitue pas, ni le PIMS, ni le Bordeaux Métropole Médiation à la préfecture pour faire des papiers, etc. Bon, ça, c'est le côté un peu rapide. En tout cas, ce que vous avez pu voir dans ce reportage, c'est vraiment le fait que ça nous permet de se déplacer, de créer un petit événement sur des espaces où on va rencontrer des habitants. Donc, par exemple, là, devant le Auchan, mais on se met aussi, quand les parents amènent les enfants à l'école, ils ont un petit peu 2 minutes, là, après, une fois qu'ils ont déposé les enfants, voilà, donc là, on propose un café et on propose donc ces tablettes. Donc on a un manche debout, on a des tablettes avec un petit diffuseur de Wi-Fi et on fait un petit questionnaire d'auto-évaluation, déjà pour rentrer dans la discussion autour de ça. Mais après, on ne ferme aucun sujet et puis les gens nous parlent vraiment de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est autour du numérique, mais ça va aller de je ne sais pas, j'ai perdu mon code pour ma boîte aux lettres, enfin, tout ce problème autour des courriels et des boîtes aux lettres, mon fils joue à Fortnite, je ne sais pas ce que c'est ce jeu, est-ce que c'est dangereux, est-ce que ce n'est pas dangereux, est-ce que si on joue 1 heure par jour, c'est dangereux ou pas. Enfin, on répond, on répond pas forcément, on engage des discussions et en fonction de ce qu'on a engagé comme discussion, on va orienter les personnes sur des structures qui sont là pour réellement répondre à leurs questions. Donc, ça peut être, pour cette histoire de Fortnite, ça peut être la maison des adolescents. Ce n'est pas forcément directement un problème de numérique, mais c'est un problème qui a un lien avec Internet, où on va aller sur les apprentissages Emmaüs Connect qui ont lieu justement au PIMS à Bordeaux, voilà, où on va aller pour acheter du matériel pas cher. Parce qu'en fait, en gros, pour terminer mon intervention avant que Charlotte prenne la parole, on a 3 thèmes qui sont abordés sur le numérique. C'est le matériel,
c'est l'accès, c'est-à-dire l'apprentissage de l'utilisation de l'outil, et c'est tout ce qui va être autour de la sécurité ou des dangers du numérique. Voilà. En gros, c'est ça ces trois thèmes et qu'on balaye en général auprès des habitants qu'on croise et qui sont les sujets sur lesquels on est interpellé. Il n'y a pas de questions, Charlotte? Non, ça va? Alors moi, je vais en avoir une. Du coup, je me demandais quelle est la fréquence d'utilisation en moyenne des habitants. Alors, je ne sais pas si j'ai tout entendu dans la question, c'est la fréquence d'utilisation du triporteur, c'est ça? Alors, c'est à peu près le nombre de visites par jour. Alors, le triporteur, on le sort une fois par semaine, normalement. Et après, on va avoir un certain nombre de discussions avec plein de gens. Mais globalement, sur la séquence reporter, normalement, on a vraiment une vraie discussion et un véritable échange avec 5-6 personnes. D'accord. Voilà. J'ai une nouvelle question. Pardon, je vous ai coupé. J'ai une nouvelle question de Jacques qui demande si vous travaillez avec Ecomicro. Oui, en fait, on oriente sur toutes les structures, donc on peut orienter sur Ecomicro, oui. Moi, je me demandais également, cette action sur le triporteur est vraiment très intéressante, et d'après ce que j'ai compris, il n'y en a qu'un qui sert la ville de Bordeaux. Je me demandais si cette action ne nécessiterait pas, de se développer un peu plus dans la ville en mettant plus de triporteurs à disposition, ainsi que dans les communes de Bordeaux Métropole. Est-ce que c'est prévu? Alors, est-ce que vous m'entendez bien quand je parle là? Parce que comme j'ai l'impression d'être en décalé, ça va? Oui, bon, ok. Alors, je vous entendais pas, mais je... D'accord. Alors... Ce triporteur, là, pour l'instant, c'était un projet en lien avec la mairie de quartier de Bordeaux-Sud et la mairie de quartier de Bordeaux-Bastide. Donc, c'est comme ça que ça a été pensé pour travailler sur ces deux secteurs. Et parfois, on déborde un peu sur Alvernay et puis après Terre-Neuve. Ce triporteur, il peut être utilisé, je pense, il pourrait sortir un petit peu plus. C'est juste qu'il faut mettre des personnes en face, c'est un petit peu lourd, il faut apprendre à le conduire, c'est pas non plus compliqué, mais il faut quand même apprendre un peu. Et évidemment, à mon avis, toutes ces propositions mobiles, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de créer un peu un événement. Après, ça ne remplace pas de pousser la porte d'une structure. On va prendre le temps, s'installer pour apprendre quelque chose ou pour régler une situation, etc. Nous, on est vraiment une première intention et l'objectif du triporteur, c'est de créer l'envie et d'accrocher les personnes sur ces sujets de façon un peu différente, un peu ludique ou en tout cas légère, pour après, pourquoi pas, recroiser le médiateur qu'on a vu avec le triporteur au PIMS, par exemple. Voilà. C'est une première accroche et effectivement, ce qui est intéressant avec ce triporteur, c'est que c'est relativement léger à mettre en place. Bon, ça a un coût quand même, hein. Ce triporteur, mais à part le coût, c'est vrai que des personnes qui sont médiatrices sur d'autres types de postes peuvent prendre quelques heures dans leur semaine si, pour aller faire ça, parce que ça reste vraiment de la médiation, enfin, c'est inclus dans notre programme, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est relativement léger. Voilà, alors donc... D'accord, merci. Je me demandais également, quand vous parlez effectivement d'accrocher les personnes, est-ce que vous arrivez à accrocher toutes les tranches d'âge, en fait,
Ou est-ce que ça va être plutôt les personnes plus jeunes qui vont être curieux de savoir ce que c'est que ce triporteur, ou vraiment toute la population va pouvoir s'approcher facilement? Alors, tout le monde peut s'approcher. C'est marrant parce que on a quand même pas mal de personnes âgées, c'est vrai. D'abord parce qu'elles ont le temps de s'arrêter, il faut bien le dire, et qu'elles puissent discuter avec nous, etc. Comme on le voit dans le reportage, là, la dame qui dit qu'elle aimerait bien être aidée pour avoir du matériel. Mais on a aussi des jeunes, et bon, ça, je vais vous dire un truc que vous savez sûrement. Déjà, c'est vrai que les jeunes ont le téléphone greffé à la main et ils sont très agiles sur certaines applications comme TikTok ou comme Snapchat ou comme Instagram. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont hyper forts pour aller sur des sites et s'orienter sur certains sites Pôle emploi ou tous ces sites-là. Donc, ils sont aussi preneurs, en fait. Ça les intéresse de comprendre un petit peu, enfin, s'ils daignent s'intéresser au sujet quand on vient les voir. Mais il y a, je dirais, un peu plus majoritairement de personnes âgées, mais on accroche aussi des jeunes qui ne sont pas très fortiches pour l'accès aux droits numériques non plus, en fait. Alors, c'est décalé avec vous, Charlotte. C'est ça le problème. Oui, on a un petit décalage. J'ai juste une nouvelle question avant que peut-être vous continuiez votre présentation. Kenneth nous dit, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais il nous dit que c'est une superbe initiative et il demande comment si la situation d'exclusion numérique des bénéficiaires rencontrés s'est améliorée sur le long terme. C'est une très bonne question. Alors, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Inclusion numérique, là, qui est animé par la mairie de Bordeaux et la mairie de Bègles, on a pensé à faire une évaluation des personnes. C'est pour ça qu'on leur propose une auto-évaluation quand on commence à les contacter. Parce que si on a la chance de pouvoir les suivre après, par exemple, si les personnes adhèrent à un atelier d'apprentissage des démarches numériques, on va pouvoir reprendre ce questionnaire et voir l'évolution, évidemment, avec l'accord des personnes. Alors après… Le reste de la présentation, je ne sais pas si on voit bien, il faudrait cliquer sur Stéphane, il faudrait cliquer sur le tableau du milieu, voilà. Voilà, donc là, ça propose un petit peu les personnes et les profils des personnes, les incapacités des personnes. Mais ça, c'est en général, hein, c'est pas que avec le triporteur. On peut passer. Stéphane. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. La sensibilisation, on en a déjà parlé. J'ai un peu déroulé, en fait, sans ma présentation, donc c'est pour ça. Je vous l'ai déjà dit tout ça en fait. Donc, très important l'orientation vers les lieux numériques. Voilà. Il y a comme c'est. Alors, juste j'explique, c'est pas moi qui ai la main sur le document, donc je peux pas aller plus loin. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je vais quand même vous dire le coût du triporteur. C'est un triporteur qui coûte quand même 9000 euros, je voulais vous le dire, parce qu'il faut quand même avoir le budget pour mettre ça en place. Et après, il faut l'équiper, etc. Et il faut vérifier que le matériel fonctionne tout le temps. Mais on fait attention avec le PIMS d'avoir des stats de tout ce qu'on fait, de remplir un peu… de façon anonyme aussi, les types de personnes qu'on a rencontrées, combien, quelles sont les difficultés, pour faire remonter aussi à nos financeurs, mais aussi globalement,
par rapport à ce groupe auquel on appartient là, de l'inclusion numérique pour Bordeaux Sud et Bègles, pour pouvoir faire évoluer aussi les problématiques autour des gens qu'on a rencontrés. Parce que ce qui est super, c'est que là, on va vers n'importe qui et les gens expriment leurs besoins par rapport à cette dématérialisation. Éléonore, on est à 5 minutes de la fin. Il nous reste une dernière question de Jacques qui demande si vous orientez les personnes qui n'ont pas d'ordinateur vers la Poste qui met à disposition des tablettes assez simples d'utilisation et pas chères. Oui, bien sûr, on le fait. On fait aussi le PIMS, la Poste, la bibliothèque. Ça dépend en fait ce qu'on nous propose et ce qu'on nous demande. Il y a tout un tas de lieux en fait qui proposent. C'est juste même les centres sociaux. Enfin, j'en oublie plein. Il y a plein de lieux qui proposent comme ça des accès. Mais c'est vrai que des fois, les gens n'ont pas l'idée d'y aller. Donc c'est hyper important ce que dit Jacques de rappeler qu'il y a plein de lieux. Mais c'est vraiment notre fonction. Fonction, c'est d'informer autour de cette question et de faire une première orientation. Il y a voilà, le lieu ressources en bas au CCAS de la cité municipale. Enfin, voilà, il y a tous ces lieux qui sont ouverts, sans rendez-vous et qui permettent de faire ces démarches, accompagner un petit peu, guider, on va dire. Voilà. Très bien. Ce n'est pas de. Oui, pardon. Non, c'est bon. Non, je disais qu'il n'y avait pas de questions supplémentaires. Du coup, nous sommes à 3 minutes de la fin, donc on est dans les temps. Merci beaucoup, Éléonore, pour votre présentation qui était très intéressante sur ce triporteur. Et merci également aux participants. Je vous dis à bientôt sur les sessions suivantes. Eh bien, à très vite alors. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.